Dans cette vidéo, les amis, plusieurs disciplines vont s'affronter autour d'une seule et même machine, cette machine à coups de poing et à coups de pied. Place à la présentation des participants, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Paul Denat, j'ai 21 ans, je suis youtubeur et combattant de MMA. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Paul Denat. Fabien, streamer, en ce moment je me régale sur Zelda et j'ai pas le temps, donc dépêche-toi. Ouais, donc moi c'est Miku, 24 ans et je suis policier depuis quelques années dans le Nord. Ok, je m'appelle Arman, j'ai 25 ans, je fais de la muscu depuis 3 ans, regardez les biceps. Je m'appelle Théa, enchantée. Je suis née le 6 juillet 1999, je suis cancer, donc je suis très émotive et vraiment tout ce qui est bagarre, moi, c'est pas mon truc. Mais c'est mon signe astrologique, c'est pas moi. Eh bah, Romain, 35 ans, pas célibataire, 15 ans de basket à peu près, et un peu d'autres sports forcément, muscu et tout. Ça fait un petit moment, mais bon, c'est toujours à peu près là. Bah, Maxime, alias Dobby, 27 ans, toutes mes dents. Ma passion, l'étude, l'informatique, ce que j'adore, on peut communément appeler ça un geek. Voilà quoi, je suis content, je sais pas ce que je fous là en fait. Hein. Je sais toujours pas c'est quoi le concept et tout. Je pratique les sports de combat depuis mon plus jeune âge. J'ai commencé le judo à 4 ans, j'ai fait 9 ans d'apkido, pour ceux qui connaissent, c'est un dérivé du taekwondo. Après j'ai fait beaucoup de jiu-jitsu brésilien, de la lutte et j'ai... Ensuite, je me suis mis au MMA. La MMA, ça va faire 3 ans. Expérience en sport de combat, ça tombe super bien. Parce que moi, j'étais champion 2014 et 2015 de boxe sur Wii Sport Resort. Ah. J'ai mis une bonne race. J'ai une photo de mon perso de sur Wii Sport Resort. Ah oui. C'était le boss dans Wii Sport Resort, les gars. C'était le boss. Je suis vice-champion de France de boxe 2014-2015 sur Wii Sport Resort. J'ai été battu par Fabien en demi-finale. J'ai fait 6 mois de boxe anglais, c'est tout. Je suis d'origine russe et arménienne. J'ai jamais fait de combat de ma vie, mais peut-être des gènes de combattants, parce que je sais qu'ils aiment bien se battre dans l'Est, mais en tout cas, pas moi. Actuellement, je détiens le record de la machine à coups de poing, c'est 929. Alors, j'ai déjà voulu foutre une tarte à mon ex, mais à part ça, t'as acheté quand la machine ? Il y a un mois. Bah il y a un mois du coup, c'est la seule expérience que j'ai tapé 3 fois dedans. Un petit peu d'expérience en sport de combat, boxe anglaise pendant à peu près 2 ans et j'ai essayé 2-3 trucs comme boxe chinoise, boxe thaï, mais juste essayé. Et j'ai joué aux jeux vidéo de combat et j'étais le type de gars qui courait à l'école quand il y avait une embrouille qui ne battait pas. Je vais avoir une anecdote assez cocasse par rapport au MMA. Une fois il y a un gars qui m'a payé 500€ pour avoir une revanche contre moi. C'est-à-dire que mon tout premier combat quand j'ai voulu combattre, c'était à Paris, c'est un gars qui m'a contacté sur Instagram. J'ai pris le train avec des potos, je suis allé me péter, j'ai battu le gars et après j'ai combattu contre son coach. Je l'ai battu en grappling son coach et quelques mois après, le gars voulait absolument sa revanche. J'avais la flemme de retourner sur Paris juste pour ça, il m'a dit gars, je te donne 500 balles, tu viens, on refait le combat. Si tu gagnes, t'as les 500 balles, si tu perds, je garde tout. Et il a fait quoi le polo ? Il est reparti avec les 500 balles. J'ai une anecdote qui est plus même une frustration, c'est-à-dire que je me suis battu une fois, ça venait pas de moi, c'est la personne en face qui a décidé de faire en sorte qu'on allait se battre. Je voulais pas. Je l'ai poussé, vu que je suis très lourd, bah le mec est tombé très vite et il tombait par terre sur le cul dans une flaque d'eau, donc c'était rigolo. Je me retourne pour aller voir un de mes potes et il y a un de ses potes qui me saute dessus par derrière, qui met une balayette, je tombe, je me prends plein de coups de poing, de coups de pied dans la gueule, mais rien de fort parce que du coup je savais me défendre, donc ça va. Je me lève pour lui mettre une patate et à ce moment-là tout le monde nous a séparés, donc j'ai toujours cette patate qui lui est destinée, qui est là, donc elle va aller dans la machine. Sur la machine, celui qui me fait le plus peur, je pense que c'est Matisse, parce que Matisse, il joue Matisse. Non. Ah merde. Ouais, ceux qui me font le plus peur, c'est Paul et Arman, hein. C'est des monstres. Qui fait peur. En fait, par rapport au défi, machine à coups de poing, tu me parles... Non mais gars, ouais. Tu me parles pas de peur, moi. Moi, j'ai peur de personne. J'ai peur de l'homme qui est dans le miroir. Ok, personne qui me fait peur. Je crains personne, gars. J'ai pas vraiment peur de quelqu'un en particulier parce que vu mon charisme imposant, je pense que même la machine a peur de moi. Mais cela dit, celui qui a le record actuellement de la machine, c'est Arman. Donc je dirais que objectif, battre Arman. Qui me fait peur, moi je dirais le flic. Ça dépend s'il a le droit de taper avec ton foie ou pas. Mais je dirais le flic en général, ils sont cogneurs. J'ai peur de personne. C'est pas mal celle-là. En vrai, j'ai peur de mon père aussi. Mais c'est tout, quoi. Okay. Dans les participants, il en manque un, il était en retard. Roro, alias l'alcoolique. Oui, j'étais en retard, j'étais tout simplement au bar en train de boire une petite. En plus, on s'est croisés sur la route. Petite présentation rapidement, Roro. Moi, c'est un entraînement de tous les week-ends, je m'arrache ta gueule. Non, mais en mode Roro. 42 ans ouais, 36 ans. 36 ans, ouais, 36 ans, prends cœur. Ouais, prends cœur. Mon but, c'est surtout de pas finir dernier. YouTuber, les gars, évidemment, sa chaîne est en description. Mais jamais. Comme, non, mais je mettrai la chaîne de tout le monde cette fois-ci. Sauf du dernier. Les règles sont simples, les amis. On va taper d'abord, pied le plus faible, gauche pour moi, gauche pour la plupart des gens aussi peut-être. Ensuite, main la plus faible, pied fort, main fort. On a Matisse, mon co-animateur, qui du coup notera les points. Et à la fin, on additionnera tout et on aura un classement. Et le dernier a un gage. Le plus jeune commence, c'est peut-être toi, non? T'es de quelle année, toi? 2002. T'es assuré? Allez, mes mains. Ah ouais, quand même. Ah oui, belle frappe. Bah, 737. Ça aurait pu être mieux. Après, là, de ce qu'on a vu, c'est quand même fort. T'es assuré à la MMA. C'était la tienne. Les vrais l'auront entendu. Non, arrête. Place aux policiers, les amis. Je suis gaucher du pied, donc je tape du droit. Oui, t'es gaucher, ouais, vas-y. Ouais. Il ressemble plus à un mec qui fait des manifs qu'à un policier. C'est un black bloc. Putain, mais il a fait pied droit. Oui, mais il est gaucher, je suis gaucher du pied. Ok, 670. Théa. Moi j'ai peur qu'on voit pas trop la différence entre mon bon et mon mauvais pied, mais du coup je peux faire n'importe lequel. Tant que tu le prends. Déjà si je touche le ballon.
Oh, le pointard. 332. C'est timide, mais c'est là. C'est à toi. J'ai pas de pied fort. Ça tombe mal, j'ai perdu. T'as que des pieds beaux. Faut y aller. Oui. Oh. T'as le deuxième là. 698. Arman. On attend beaucoup, hein, le bodybuilder, les amis. Hein. Hey, t'es assuré avec ça ou quoi, toi? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, la vanne. C'était pas la vanne des assurances. Ah oui. Oh là 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 là. Quel pied gauche. Ah, tu peux te lancer, je vais me venger, je t'affraie. Les premières embrouilles. Waouh. Ouais. Waouh. Ah ouais. On est presque sur le record là. Là j'annonce la blessure. Il va faire genre c'est la vanne, il est blessé mais il va vraiment être blessé. Ça va, on a entendu un petit bruit. Hein. Ah non. Là, tu prends 200 de retard sur les mêmes presque 300. Oh, moi, je veux juste battre Terra, c'est tout. Non, 200. On va passer sur votre point faible. Ton point faible, c'est? C'est Oli. Et pas Big Flo. Non. Oh, il y a de l'humour dans cette vidéo. Putain, c'est parce qu'en fait, c'est Big Flo et Oli. On va faire dans l'ordre là maintenant, mais en commençant par Terra. Bah les ongles sont tout neufs. Hein. Ah, les ongles, merde. Ah, ouais. Putain, touche-dis des ongles. Les ongles tout neufs. Oh. Putain, et juste avant de gratter le cul en plus. Aïe 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 aïe, t'es entouré de pas mal de mâles, beauf. On prend pas du tout au sérieux. Déjà, vise le truc, c'est bien. Ah merde. Ok. Quand même. 561. Il m'a fallu une bonne chaise pour l'arbitre. Là, c'est ce que j'aimerais bien qu'on ait au local aussi. C'est une chaise, tu sais, comme les arbitres de tennis. C'est en hauteur. Ouais. On enlève 2-3 plaques, tu vois. Non, on lui coupe les pieds. Oh, j'ai pas tapé. Oh. Ok, il y a de la technique. 647. Ah, si je suis peut-être pas le plus bon là, mais venez au bar. Moi, je vais tous vous coucher. Je te le dis. Mais même quand je tape, j'ai l'impression que je suis ridicule. C'est horrible. Ok. 692. Oh, il y avait de l'intention, hein. 750, c'est le record pour l'instant. Ok. Oui, là, je pense que oui, oui. 847, les amis. 847. Il va dire, mais non, je suis trop tiède dans le t-shirt. Oh, putain. Ok. C'est très, très serré entre vous deux. Ouais, c'est toujours serré entre nous. Ouais. Le policier vient par là, toi. Oh, putain. Ok. Ok. Par contre, il a dit Albator, insulte sur policier. Ouais. Non, j'ai dit Albator, parce que je suis fan du dessin animé. Je suis fan du dessin animé. Non, mais je parle, ça va, monsieur. Il reste toi. Amène-moi là, vas-y. Ah oui. Tout ça pour ça, putain. Oh, deuxième. Elle était furtive. Hein. Tu parles pas de toi, moi. Les amis, deuxième épreuve terminée. On passe. Là, ça va taper très fort. Le plus vieux. La honte. Ah, le papa, quoi. Arrêtez de vous moquer de toi. Oh, j'ai éclaté. Mal. Bon, bah, suivant. On parle de la salle des fêtes, là. Oh, la vache. 790. Dobby qui a fait un peu de foot en salle à l'époque, hein. Ok. Tu t'es fait mal? Non. Non, ça va, ça va. 533, ça va. Miku et son pied droit. J'ai un petit désavantage, c'est que je suis gaucher. Oh, ouais. Belle quand même. Bah ouais, du coup, au niveau du côté, c'est un peu chiant. Quand t'es gaucher au pied sur cette machine, c'est vrai que t'es pas forcément avantagé, malheureusement. Paul, t'es le dernier. T'es habitué à mettre des kicks Des kicks comme ça, mec, non. Oh, mais attends, mais tu vas où, là? Bah quoi, après, on a le droit de prendre... Ah oui, c'est Olivier Tom. Oh, vache. C'est la plus belle. Ah ouais, la vache. T'as un corps, on dirait Titon du 42, mais toi, tu mets des vraies frappes, hein. Bon, bah, les gars, on va finir en beauté avec votre point le plus fort. Hein. Et cette fois-ci, quel ordre on va faire? Le plus grand, le plus petit en termes de taille. Bah, là, on a le plus grand et le plus petit. Armin, c'est le plus petit. Ok, bah, maintenant, on fait la taille de. Hein, on va voir maintenant qui est le plus petit. Bah, sortez-la. On va pas faire en fonction de la taille de l'engin, mais de la taille juste du corps. Moins 10. Oh, ah oui, oh là 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 là, 921. 921. C'est le seul qui fait 921, il est là comme ça. Putain, je suis dégoûté. Et toi, ça, c'est l'abonné qui t'a dit, ouais, tu irais pas en Turquie, là? Ouais, t'irais pas en Turquie. Ouais, mais l'abonné, c'est toi, du coup.
Voilà. Wow, 880 les amis. Personne suivante, le plus grand, Fab ou Miku? 1m combien Miku? 1m80. Fab, 1m80 tout pile? Shifumi. Shifumi. Le blanc. Et ben Fab, fais-toi plaisir, hein, 6 ans de boxe anglaise. Ah, c'est pas du tout. Sur Wii Sport. Ouais, sur Wii Sport. Enclenche-le, Fab. T'as insulté ta daronne. Bon, en vrai, moi je. Il a volé tes chocs à pic. Moi je suis cool, j'en mange plus. Il s'est désabonné de ta chaîne. Oh, alors là. Il a pas follow Fabi 2. Voilà. Là, il a follow Fabi 2 là. Allez, le flic, régale-nous. Voilà. Ouais. Comme Dobby, je crois, non? Ouais, ouais. Théa, t'es quand même plus grande que beaucoup de garçons ici. C'est mon seul point fort. Je te permets pas, mec. Tu fais 1m combien? 78. Ok. Non, non, mais 60. Tu vas encore grandir. Ouais. T'es encore jeune. T'es encore jeune. Il t'a dit ça aussi, mais non, ça n'a pas monté. Il a menti, c'est 100 cm de moins. Ah, ah, yeah. Oh, 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 les 700. Roro. Roro est dégoûté parce qu'elle a fait beaucoup. Pas sûr de faire autant. 760. Paul, montre-nous que t'as une vraie droite. Hein. Ça, ça, ça. Tu peux plus. Ah. Non, mais non, parce que la vie, ça, ça, ça. Bon, je rigole, je peux plus. Ok, là, c'est la patate de fond, je pense. Non, mec, même pas, mec, allez, même pas. Oh, même pas, mec. T'inquiète, en 3 essais, t'as fait moins bien qu'un mec qui reste derrière son ordi 4 heures par jour. Mec, c'est pas normal. C'est pas normal. Ah, mais les gars, passez-vous, mettez-vous vite fait. La gorge. Les gars, je vous mets maintenant un extrait de Paul en train de choper une gorge sur sa vidéo. Une gorge bien profonde. Une vraie gorge. Il y a un extrait d'Arman en train de choper une gorge aussi. Mais c'est pas la même. Oben, Sie sehen, er unterkippt das. Voilà! Voilà! Jawohl! Sehr schön gemacht! Sehr schön gemacht! C'est pas possible d'avoir un local à cause des gens. À cause de moi ? Bien sûr. Bon, les gars, ça va. Ça parle jamais de cul, à part quand vous y êtes là. Vas-y, c'est Arman. Vas-y, prends les dents, vas-y. Attends, faut le porter. En plus, là, ça va se jouer entre toi. Lui, à chaque fois, il me l'a fait la blague en plus. Toi, et peut-être Paul aussi. Allez, Arman. Oh, vache. Alors là, on ferme bien sa gueule, hein. Regarde au pied, regarde au pied. Mec, celle-là, je la prends, je suis à Pontchaillou. Mais pourquoi vous rigolez? J'ai dit, tu retapes dedans, Arman, là, parce que moi, je dois gagner dans 20 minutes, du coup, ça fait un peu juste. Alors, il met du temps, mais au moins, il fait un vrai truc, pas comme l'autre, là. Enfoiré. Encore plus, mec. Ah, mais ouais, elle est propre. Elle est belle, quand même. Le boss. Attendez, pour terminer, petit spectacle de Paul qui va nous faire un kick de la mort qui tue, où tu tournes en rond, là. Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, en vrai, on n'a pas le temps. Ah, t'as pas le temps? Eh bah, je te laisse. Wouah. Ah oui. Mais en fait... pas les 900, mec. Non, mais vas-y, vas-y. Ah. Mec, vas-y. Après, là, tu vas fatiguer, mec. On verra juste après Roro tenter la même chose. C'est Emma ou danse avec les stars? Un pied là, un pied là. Oui. Allez. Let's go! T'es fort. Let's go! Roro, l'exemple? La même chose. Un pied, tu lèves le genou, tu tournes, et tu frappes. Ah ouais, je l'ai. Roro! Roro! Ça! Les cas, il les a. Bravo! J'ai fait le truc, j'ai fait non, mais moi j'y croyais pas. Il est temps de passer au résultat. Mathis est parti à son bureau en train de faire les calculs. Qui a gagné pour vous? Ah, c'est un cumul! Ouais, c'est un cumul. Allez, je veux dire Paul. Bouzy. Moi je dirais Paul, parce que je pense qu'il a fait plus avec Arman de fou. Il gagnait, mais c'est moi, gars. Non, en vrai, je pense que c'est lui. C'est lui, en vrai, je pense. T'as une petite bavette là? Là, t'as un faux filet? Ah, ça, c'est la. Et là, t'as l'araignée là. Et là, t'as la sauce. Oh. Là, t'as la troisième journée. Non. C'est bon, j'ai les résultats. Oh, Mathis a les résultats. Donc, je vais donner du dernier vers le premier et avec les scores de chacun à chaque fois. Du coup, à la 8ème et dernière place, on y retrouve Théa avec un total de 2133 points. Ouais. Quand même. Quand même, numéro. Ça va que c'est le premier score qu'on dit parce que... Sur 4000. Ok, l'avant-dernier. Ensuite, l'avant-dernier en 7ème position, on a Roro avec 2592 points. C'est pas obligé d'applaudir. Puis en 6ème place, le Fab avec 2950 points. Bravo. Oh. C'est plus que sur le livret. 5ème place, on arrive dans les 3000 points avec Miku qui nous a fait 3026. Le policier. C'est quoi ce policier, wesh? Oh non, mais il sort d'où? Au pied du podium, juste avant. La médaille en chocolat. Quatrième, ouais, c'est ça. Nous avons Dobby avec 3115. Allez, le geek.
Ok, et là on arrive sur les trois derniers. Je pense qu'on avait déjà un peu tous parlé sur eux. Les trois derniers. Les trois premiers, les gars, venez là. Sachez que. Oh les petits frères, ils sont mignons. Donc là, sachez que dans les trois derniers, l'écart est de moins de 50 points. Serré comme on se traîne. Mais en troisième position, on a Romain avec 3327 points. Le grand frère. Mais sachez que le deuxième n'a que 7 points de plus. C'est-à-dire que le premier est quand même un petit peu au-dessus. Ladies and gentlemen. C'est comme ça. Donc le gagnant avec 3376 points est Arman. Ouais. Allez. Oh, mais je peux pas monter. Bah ça fait plaisir, merci. Après il y a la puissance, mais après il y a le cerveau qui compte aussi. Je te proposerais pas de faire du grappling. Les amis, pour terminer en beauté, le premier parterre de vous deux, voilà, il a perdu. Mais Arman, il a pas envie de. Attends, mais on peut essayer en vrai. C'est parti. Ça part dans quoi la vidéo là? Ça part dans quoi la vidéo là? Attends, les cheveux, les cheveux, merde. Putain, un 7000 balles de griffon. On la guillotine. On la cave ici. Oui. Ah, il a gagné, bien joué. En vrai, tu te défends super bien, Arman, hein, GG. Ouais, bien joué. Arman, bien joué. Hein. Attends, c'est le bousé ou le bras TV, hein. Bref, les gars, merci pour la vidéo. Merci d'avoir participé. On n'oublie pas de s'abonner, le petit pouce bleu. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? La cloche. La petite cloche. Moi, je m'y connais en cloche. C'est la dernière. Abonnez-vous à Fabi 2. On est bientôt 3000. Des bisous, les gars.